Yo, ici Truffy et bienvenue pour la Truff émission 2015. Un nouveau concept que j'ai décidé d'inaugurer à l'occasion de l'E3 2015 Los Angeles, le plus grand événement mondial sur le jeu vidéo. Parfois décevant, parfois bancal et parfois impressionnant comme ce fut le cas cette année. Avec un peu de recul, je vous apporte cette émission récapitulative qui va s'intéresser non pas à la totalité des titres et des nouveautés qui ont été annoncées, mais bel et bien aux plus grandes annonces et en tout cas celles qui m'intéressent le plus et qui je pense vous intéresseront également. Comprendre ici que je vais couvrir principalement les jeux qui m'intéressent moi. J'ai toujours rêvé d'avoir ce petit concept d'émission et je me suis dit, c'est l'occasion, c'est maintenant ou jamais, il s'est passé plein de choses et je tiens à le partager avec vous, très fidèle. Mais avant de poursuivre, j'aimerais placer un petit mot sur la guerre des consoles, la petite guéguerre entre les petites bites, les petites bibites qui se tirent la couette, on va dire. De mon côté, je vais essayer d'être le plus impartial possible et je vais y arriver tout simplement parce que je suis impartial. J'aime autant Xbox que PlayStation et Nintendo. Je possède la Wii U, j'ai possédé la Xbox 360 et maintenant j'ai préféré la PlayStation 4. Voilà, j'ai un peu touché à tout et pour moi il n'y a pas de meilleure console, il y a juste de meilleures opportunités. Donc même si à certains moments je vais soutenir un éditeur ou un autre, ça ne veut pas dire que je suis plus pour une console que pour une autre, parce que la tendance peut s'inverser, c'est juste cette année c'est ça, cette année c'est l'autre. Peu importe. Martin Luther King dirait « J'ai un rêve, c'est qu'un jour une console arrive sur le marché » et elle s'intitulera Xbox Station U. Ça en jette, non ? Brevet déposé ici. Donc encore une fois, que l'on soit Nintendo, Microchiot ou Playstacon, ça m'est égal. On commence donc avec Bethesda, qui est un éditeur de plus en plus important et avec des titres mémorables. Et quelle entrée en jeu, mes amis ! Oh oui ! On attendait Doom, le retour, le reboot. C'est fait après presque 8 ans d'attente et d'annonces et de médisance. En tout cas, il est là, annoncé printemps sur la triade. Et OMG, qu'est-ce que ça... Ce reboot montre enfin le bout de son gros putain de fusil testostéroné au boyau d'ID Software. Et c'est juste impressionnant à tous les niveaux. J'ai rarement vu un trailer aussi dynamique m'ayant fait un effet de pucelle. Je veux dire, je ne suis pas un fanboy de la licence Doom, loin s'en faut, mais... j'ai été bluffé par l'espèce de dynamisme, de vélocité, de violence dans ce trailer et qui m'a paru justifié par un gameplay extrêmement dynamique. Alors, in-game, à voir si réellement c'est aussi virulent, mais ça, on le saura bien assez tôt. Cette espèce d'apéritif explosif a laissé ensuite place à des licences quelque peu plus fraîches. C'est français ce que je dis, je ne sais pas. Avec Dishonored 2. Et oui, cette espèce de fornication entre Assassin's Creed et aux graphismes de Bioshock ou son approchant. En tout cas, il revient en force avec une très belle cinématique, ma foi, annoncée pour printemps 2016, on n'en sait pas plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une licence qui a su se faire originale, mais malgré tout, elle comporte vraiment une aura de déjà-vu, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que sur le long terme, elle parviendra réellement à se démarquer plus qu'un espèce de FPS d'assassinat? Qui sait ? Cette licence amène aussi une question importante, à savoir, faut-il être nécessairement le premier pour qu'on se souvienne de vous ? L'avenir nous dira si oui ou non, ce titre sera déshonoré. Avec des titres un peu plus proches, il y a eu aussi l'annonce de Fallout 4 qui a fuité un peu avant le 3. De mon côté, je n'en sais rien, je peux juste dire qu'il y a le chien de Call of Duty dedans et ça... je suis étonné que ça n'a pas été relevé. Quoi qu'il en soit, cette licence fait beaucoup parler d'elle depuis ses débuts, où elle a connu une évolution du genre assez drastique depuis le 3, et je veux bien dire le titre 3 et pas le 3. Ici, un trailer qui est, ma foi, intéressant avec des graphismes honnêtes in-game. D'un point de vue personnel, la licence ne m'a jamais paru explosive, mais à l'instar de Skyrim, mais dans un genre extrêmement différent, Bethesda a su encore une fois tirer son épingle du jeu en matérialisant un univers qui parle à beaucoup de monde apparemment, cette espèce de survie apocalyptique en milieu nucléaire avec son folklore ambiant, et cette liberté, cette richesse propre au jeu Bethesda à présent. Je peux comprendre que ça en attire plus d'un. Mais moi, ce qui m'a le plus botté, ironiquement, paradoxalement, je ne sais pas, c'est Fallout Shelter. Le jeu qui a été annoncé et directement disponible sur iOS Android. Et donc, c'est une espèce de mini-jeu de gestion au graphisme très sympathique. Vous voyez la mascotte de Fallout ?
pardonnez mon inculture, je n'ai pas fait les jeux, ce n'est que partie remise. Eh bien, elles ont un peu le même graphisme que cette mascotte et ça donne un jeu assez mignon et en plus c'est gratuit. Que demande le peuple? Une bombe nucléaire. C'est surtout qu'on peut faire des bébés. Ouais. Ah bon, tel n'a qu'à bien se tenir. Et dans la succession de titres qui ressemblent fortement au planning de Blizzard, il y a Battlecry qui est exactement comme Overwatch, le prochain poulain de Blibli, c'est-à-dire un FPS TPS avec, je ne sais pas, c'est développé par Battlecry Studio. Oui, très original. Et je dois avouer que celui de Blizzard m'aura beaucoup plus convaincu dans sa direction artistique et ses héros pourtant classiques. Enfin, on n'en a pas encore assez vu pour Battlecry, mais ça m'a paru assez fade quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, amateurs du genre. Et c'était à peu près tout ce que j'avais envie de couvrir sur la conférence Bethesda, et j'aimerais faire une parenthèse Kickstarter très intéressante, puisque ça a été aussi présenté durant le 3, c'était pas exactement partie intégrante d'une des conférences, mais il y a eu ce projet Shines, j'espère que ça se dit comme ça, Shines, qui est un projet francophone, lillois même, financé par Kickstarter et lancé par le studio Inigami. Et il faut dire que la présence à l'E3 de ce trailer était non seulement couillu, bienvenue, osé, disponible sur PC, un jeu d'action-aventure RPG au système de combat un peu Naruto, mais je retiendrai surtout le style un peu Ankama avec du cel-shading, et c'est bienvenu et surtout un produit du terroir, donc il faut le soutenir, n'hésitez pas à jeter un œil sur leur site officiel dévoilé pour l'événement, et également bah, de les soutenir d'autres façons, puisque on ne le dit jamais assez, mais quand ça vient de chez nous, c'est pour vous. Dans le style des annonces annexes, je vais essayer de placer aussi Death Gambit par White Rabbit. Alors, c'est prévu pour 2016 sur PC, PS4 et Xbox One. Un autre pixel art 2D scroller très sombre et plutôt convaincant dans sa direction artistique, mais une forte inspiration quand même Dark Souls. Pour tout vous dire, j'ai cru que c'était From Software qui avait fait un Dark Souls 2D. Alors bon, j'ai un petit bémol à dire là-dessus, non pas au niveau de la direction graphique, mais simplement sur la direction artistique du pixel art en elle-même, qui est à présent selon moi beaucoup trop répandue et systématiquement associée au genre indépendant, comme si c'était le gage qualité ou la marque de fabrique du jeu indépendant, et j'aimerais pas que ça s'installe comme une norme, parce que ce serait vraiment dommage et vraiment très limité. Quoi qu'il en soit, au-delà de cette petite parenthèse, je tiens à dire que ce jeu a l'air prometteur d'une certaine difficulté et d'une richesse dans les tableaux qu'il propose. Je pense que pour les amoureux de plateforme et de mini hack and slash 2D scroller, pourquoi pas ? On enchaîne avec quelque chose que vous attendiez tous. Et non, c'est pas Half-Life 3, mais The Walking Dead Mission, A Telltale Game Miniseries. Et bien sûr, on aurait préféré Daryl, mais que voulez-vous ? Mission, si sexy et si aventureuse de la série éponyme, eh bien fait son entrée avec un DLC d'entre-saison qui durera apparemment seulement 3 épisodes, à voir la durée si on se fait baiser ou pas, mais c'est entre la première, deuxième et troisième saison, mais à culpa, de la désormais célébrissime licence de Telltale Games qui a redoré le blason de l'entreprise. On s'est souvent demandé, ou du moins au cours de mes let's play, si les persos du comics entreraient un jour en action et combien, qui seraient-ils ? Et on a un élément de réponse maintenant. Enfin, un peu déçu qu'il n'y ait qu'une image pour l'instant, pour une sortie apparemment prochaine cette année, on attendait au moins un trailer, et il faut dire que le 3 c'était quand même le moment. Bon, après je comprends, c'est, hein, voilà, une fois, c'était qu'un DLC, c'est pas une saison 3, voilà. À voir ce que ça va donner. Alors, même si j'avoue ne pas être trop déçu, j'aurais vraiment préféré une histoire originale qui reprend soit des persos au destin mystérieux ou obscur, voire croiser des persos inédits mêlés à ceux des autres licences. Je veux dire, qu'est-ce qui t'empêcherait de recréer un nouveau personnage comme ils l'ont fait pour le DLC 400 jours et de rencontrer Rick Grimes ? Pourquoi pas ? Enfin, ne tranchons pas trop vite contrairement à cette gentille dame et tâchons de ne pas voir la vie en noir. On va attendre voir comment ça marche. Peut-être que ce sera mortel. Fini les parenthèses, on enchaîne avec la conférence de Microsoft. Elle aura beaucoup déçu ces dernières années, mais enfin, elle s'est sortie les doigts du cul. Pour les gros morceaux que tout le monde retiendra et que tout le monde a envie d'entendre parler, il y a bien sûr Gears of War 4. On commence donc par le morceau de fin de leur conférence avec la légendaire série FPS dopée au gros lourdeau ultramarine plus musclé que n'importe quelle star de la WWE.
Il est indéniable que Gears of War, en tant que licence, a su s'imposer au fil des années comme un titre phare, mais aussi une killer app et même un titre révolutionnaire lors de son arrivée en son temps. Légitime, certes. Est-ce que cette vidéo de gameplay pour clore la conférence aura su convaincre beaucoup de monde ? Je ne sais pas, à vous d'en juger, très fidèle. Pour ma part, j'ai un petit problème, et une certaine compréhension en même temps, du fait que les éditeurs vous annoncent « c'est le dernier titre !» et que 2 ans, 3 ans plus tard, on vous chie un autre opus. Ça me... Voilà, t'as l'impression d'être pris un peu pour un con des fois. Ou une vache à lait. Ouais. En parallèle de cela, il y a également eu l'annonce de l'Ultimate Edition sur PC. Alors là, on parle simplement d'un portage carré sur le maître de tous, le PC. Mais attendez. PC, Microsoft, Microsoft, Windows, Windows et Microsoft, Microsoft et Xbox. Ce qui veut dire Xbox égale PC. Oui, je sais, ça n'a rien à voir, console, PC. Et si, quelque part, parce que ton PC, c'est une grosse console. Une grosse, grosse, grosse console qui coûte très cher, avec qui tu peux faire plein d'autres trucs. Quoi qu'il en soit, j'émets une espèce d'inquiétude sur ce point, et en même temps, je ne saurais pas trop en dire. Avis partagé pour ma part, comment on peut laisser un titre exclusif s'échapper du domaine de l'enclos fermé de l'exclusivité pour le mettre sur PC, si ce n'est que c'est compatible avec Windows 10 et donc un espèce de copinage. En fait, j'ai un petit problème avec l'évolution de un poids, deux mesures, c'est-à-dire un coup, on va privilégier l'exclusivité comme bataille, fer de lance de notre guéguerre, et d'un coup, on va la démocratiser en la rendant accessible à tout le monde. Moi, je suis beaucoup plus pour ce partage-là que pour la stigmatisation et la ségrégation d'un titre en mode « je le garde pour moi et tu ne l'auras pas », mais je sais pas, cet enchaînement me paraît bizarre. Et on ne peut pas parler de futur sans aborder la prochaine licence. Halo 5 Guardian. Apparemment prévu pour le 27 novembre 2015 et par 343 Industries. Non, c'est juste une seule boîte mais elle s'appelle comme ça. Qui connaît pas le FPS ? Halo ? Non mais Halo quoi ? Certains diront la licence, la killer app. Ils auront peut-être raison. Pour ma part, je reconnais la légitimité de cette série, ce Master Chief est un plat de résistance aux couleurs de la console, certes, mais ça ne m'aime pas, non. Pour ma part, je reconnais eh bien le genre plus sa legacy, mais même si je ne suis pas le plus emballé, la hype demeure. Des graphismes apparemment bien musclés, un nouveau chapitre dans l'histoire de cette saga attendue, ça fait son petit effet qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ensuite, il y a eu Fable Legends, troisième grosse pompe de Microsoft. Eh bien, son JDR Heroic Fantasy revient avec des barres qui cassent la gueule. Développé par Lionhead Studios, c'est du JDR. Fable raconte désormais une nouvelle histoire avec beaucoup plus de monde, apparemment. Et vous, Trophytel, avez-vous envie de retoucher à cette licence ou avez-vous envie de voir fleurir simplement de nouveaux titres ? En parlant de nouveaux titres, ah non, excusez-moi, c'est pas une exclusivité, mais il a su s'installer dans la conférence Microsoft ce glisser en douce dans les ténèbres de son âme, troisième du nom, Dark Souls 3. From Software Incorporation, prévu en 2016 sur la triplette. Pas vraiment une exclue, même pas du tout. Encore une fois, la série Dark Souls, eh bien, c'est quelque chose qui a su s'instaurer dans le cœur des hardcore gamers comme la licence à ne pas rater. Avec Bloodborne, mais Bloodborne étant plus jeune, c'est comme le petit frère cadet que personne n'aime. Le souci avec cette licence, c'est surtout que le troisième titre était prévu pour être le dernier, puis en fait c'est pas le dernier, et en fait c'est le dernier, mais c'est pas le dernier. Non. Donc, encore une fois, un méli-mélo de communication entre éditeurs et développeurs. Mais bon. Pour moi, c'est une série à succès un peu trop hypée, mais la difficulté dans ces dernières années était quand même bienvenue dans une tendance où les jeux ont vraiment tendance à se finir trop vite. Mais surtout, c'est le design de cette franchise qui fait tâche et qui tâche dans tous les sens du terme. Parfois critiqué, c'est incontestable en tout cas qu'il y a une âme à cette licence au niveau du coup de plume des monstres, du bestiaire. C'est assez glauque, c'est médiéval, c'est maîtrisé et le trailer a fait son effet parce qu'on aurait dit vraiment un film d'animation. Malgré le succès incontestable de cette franchise, j'émets quand même une réserve. J'ai l'impression que c'est un chouïa trop tôt entre les DLC assez fournis et surtout le poulain Bloodborne arrivé sur console PlayStation 4. Je sais que là, on vise du multiplateforme, mais quand même, ça m'a paru un peu brusque. J'ai un peu peur, à l'instar de beaucoup d'autres licences, qu'on frôle l'écœurement.
On passe enfin à des titres soi-disant exclusifs, mais beaucoup plus originaux en tout cas, c'est-à-dire Sea of Thieves. Un MMORPG sur les pirates en FPS? C'est rare. Non, c'est rare. Rare, le studio. Et c'est rare aussi, je suis d'accord. En tout cas, ces derniers nous ont habitués à du très bon avec Conker's Bad Fur Day et Banjo-Kazooie, et j'en passe, beaucoup de titres mémorables. D'ailleurs, avec une compilation qui sort sur Xbox One. Mais pour revenir à l'abordage, c'est une exclue Xbox forcément, Rare étant le meilleur amant de cette console. Pas de date, mais déjà un gameplay. J'achète le concept, mais pas le design. Alors, quoi qu'il puisse être approprié en vue de d'autres licences qu'on a déjà vues dans le genre pirate comme Monkey Island qui a vraiment un cachet assez cartoon dans la 3D, ici c'est un peu trop prépondérant, à mon avis, hein, voilà. D'un point de vue purement personnel, j'aurais vraiment préféré quelque chose d'un peu plus sombre sans tomber dans les torts de Dark Souls et séries consorts. Ça m'aurait bien plu. A voir si le gameplay dépasse eh bien cette jargue graphique, mais allez, on a tous rêvé d'un concept comme ça, Mossaillon. Yarr! Beaucoup moins chaud par contre pour le titre gigantique, autre exclusivité prévue pour la fin 2015 par Motiga, et que dire que c'est un autre TPS FPS style Overwatch qui m'aura lui encore une fois bien plus convaincu. Le genre prolifère, mais est-ce qu'il est vraiment porteur? À l'instar des jeux de cartes free-to-play qui sont en train de fleurir alors que l'époque était passée depuis Urban Rivals, on peut se demander si le genre est vraiment porteur. Et il y a déjà un sentiment d'overdose avant l'heure avec des éditeurs qui veulent placer leur pion sur l'échiquier, mais bon, c'est toujours le premier arrivé et celui qui a la plus grosse bourse qui l'emporte en général. En l'occurrence, les graphismes sont certes plutôt sympas et proches du poulain de Blizzard par rapport au Bethesda Battle Cry. On sent déjà la possible redite et c'est fort dommage, mais il aura forcément des choses gigantesques à proposer. Pas vrai? Ouais. Enfin, on se dirige vers mon coup de cœur, Cuphead. Oui, c'est PC Xbox One 2015, peut-être prévu sur d'autres plateformes, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le studio MDHR, qui en est le papa, a sorti là un jeu au parti pris graphique excellentissime, style cartoon Disney, c'est juste génial, bravo. Lorsque l'on se demandait avec scepticisme si l'on verrait un jour des jeux de plateforme innovants, eh bien, ceci est la réponse avec un gros doigt levé de Mickey dans ta face. C'est vraiment dingue de voir ces tableaux dignes des dessins animés et justement du style Mickey cartoon des années 30 s'animer en couleur avec une espèce de synergie. Ça fait vraiment pas tâche. C'est approprié pour un gameplay de plateforme, mais voilà, ça a l'air excellentissime avec la petite musique jazzy là. Oh, coup de cœur. Ça, tu vois, c'est ma killer app. Si ça sort que sur Xbox One, je l'achète. Mais comme c'est sur PC... Dans le genre indé, vous savez, c'est genre assez épuré, poétique, feutré, minimaliste, ce côté frais que l'on cherche à côté des blockbusters bien sanglants et hollywoodiens. Eh bien, il y a Beyond Eyes, voire au-delà de tout ça, et au-delà des yeux en l'occurrence. C'est un charmant concept sensuel que Team 17 propose en 2015 sur console et PC. Une aventure à faire les yeux fermés? Je n'en doute pas. Eh bien, qu'il y ait eu l'annonce de différents jeux indés dans une espèce de compilation scénarisée avec une belle musique bien poignante, je vous laisse au soin de chercher par vous-même ce qui va sortir ou pas. Pour l'instant, c'est le flou pour moi. Mais comme d'habitude, je félicite les éditeurs de mettre tout de même en avant eh bien, la scène indépendante qui en a une fois grand besoin, deux fois le mérite. Au-delà des prouesses techniques que nous a montré Microsoft ici dans cette conférence maîtrisée, beaucoup plus que l'année dernière en tout cas, il y a évidemment ce titre d'Inafune. Ricoré. Pas le bonbon, mais les robots. Enfin, le titre nouveau qui a un gros coup de cœur pour moi. Printemps 2016 par Armature, des vétérans de Metroid Prime en plus dans la team. C'est pour moi vraiment la grosse exclue de Xbox One qui pourrait faire la différence et faire acheter la console à beaucoup de gens. Avec un trailer vraiment maîtrisé, vraiment magistral, autant dans ses graphismes que dans son storytelling, on s'attache facilement au perso, à l'univers, au design et aussi au concept un peu knacky des compagnons de route interchangeables de l'héroïne, avec un gameplay apparemment différent. Cela promet une belle aventure signée Inafune. Et Inafune, c'est qui? C'est Megaman Dead Rising, donc humour et gameplay. Rien que ça. C'était bluffant, bluffant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ce titre, mais personnellement, c'était la bonne grosse surprise de la conférence Microsoft. On va terminer avec deux points importants. L'HoloLens, qui a
Ah, quand on l'a annoncé, je me souviens que c'était assez dubitatif, hein. On avait déjà Morpheus annoncé avant cela, et aussi, eh bien, l'éternel Oculus Rift. Cette guerre des consoles est devenue la guerre des réalités virtuelles. Tintintin. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que la présentation de Microsoft avec Minecraft, oui, je l'ai dit, c'était impressionnant. L'Empire Micron t'attaque. Oh, merde. C'était du lourd. Mojang n'est plus Mojang. On a de l'hologramme pour se la péter façon Tony Stark. Impressionnant, c'est le mot qui vient à la bouche. Bluffant. Et abasourdissant même. Voilà. Et tout ça à portée de main. En tout cas, Microsoft... Oh, merde, à la fin. Microsoft s'impose comme la merde, la marque du futur. Qu'est-ce qui se passe? Avec ce bond en avant impressionnant, je le répète, juste bluffant avec juste ce jeu de Java Lego. Si beau. Mais ce qu'on attend de voir, c'est l'implication dans d'autres jeux. Certes, c'est très beau de voir des cubes s'élever sur une table, mais qu'est-ce qui se passerait avec des jeux un peu plus immersifs? Des jeux d'horreur, des jeux d'histoire, même des FPS. Et surtout, le clou du spectacle, s'il en est, c'est l'annonce de milliers de jeux. Et oui, la 360 est maintenant rétro-compatible, ou c'est plutôt la Xbox One. Oui, la Xbox One est rétro-compatible avec la 360. C'est enfin annoncé. En théorie. Pour moi, c'est juste un retournement de veste, donc à ne pas traiter comme le prophète, mais saluons quand même, eh bien, ce 360. Bienvenue. Pour moi, c'est clairement une grosse quenelle, quelque part, de la taille de Godzilla, puisque Microsoft s'est bien foutu de la gueule de ses fans, en sortant initialement la console avec son prix et tout ce qui était fonctionnalité. Maintenant, eh bien, c'est courageux de leur part de revenir sur leurs paroles, quelque part, et de promettre quelque chose d'accessible à tout le monde, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, ce qui va fonctionner, c'est d'insérer son CD et vous aurez une version dématérialisée, donc la console pourra lire les CD de 360, toute votre collection. Maintenant, ce que je comprends un peu moins, c'est qu'il y a une espèce de tendance aujourd'hui à faire des remasters et des remakes qui font que, ben, vieux CD ou pas, c'est plus de la collection qu'autre chose. Et du dématérialisé. En tout cas, la technique elle est au point avec, comme je l'ai dit, du physique très transformé, Transformers, en dématérialisé. Et même si à présent les exclus 360 ne sont pas si sulfureuses que ça, étant donné le portage multi-support qui est absolument, eh bien, hallucinant depuis ces dernières années, c'est une initiative géniale de la part de Microsoft, à n'en pas douter. Le must serait la rétrocompatibilité jusque la première Bobox, la Xbox, vous vous souvenez? Là, il y avait des titres qui étaient vraiment... Les exclus étaient en effet bien plus sentis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la conférence Microsoft, et qu'à cela ne tienne, elle était généralement brillante. Il faut l'avouer, il faut le dire, malgré leur déboire des années passées, malgré un manque flagrant de vraie exclusivité propre à la console et pas juste portée sur PC et la console, il n'y a pas de faux pas comparé aux dernières années, bien au contraire. Donc, bravo Microsoft. On enchaîne avec Electronic Arts, EA Games, the game. Non? Alors désolé, mais ce n'est pas avec moi qu'il faudra se pavaner sur les terrains de sport. Je laisse ça aux pigistes passionnés derrière leur bureau. Pour ma part, je n'ai aucun intérêt personnel à ce genre de jeu, même si je comprends évidemment leur engouement. Et en même temps, je me dis pourquoi vous n'allez pas jouer sur un terrain de foot. Bref, je ne vais pas cracher sur ces jeux-là. Je les trouve appréciables et divertissants, mais je ne les couvrirai pas, non. Un titre aussi que j'ai hésité à couvrir, Plant vs Zombie Garden Warfare 2. Les amoureux de la licence seront évidemment ravis, mais on ne fait que casser quelques pots déjà fêlés avec ce second volet. Pour moi, c'est sympa, mais sans plus. C'est surtout dingue de voir l'évolution de la licence que l'on peut applaudir, passer d'un jeu mobile à cette espèce de phénomène de mode tel Angry Birds et d'autres jeux qu'on sort. Je dis pas, il en faut, mais cette adaptation est un jeu encore trop présent pour se démarquer littéralement, à mon avis. À voir ce que vaudra le titre, que les experts se prononcent. Par contre, DICE a sorti, eh bien, son as de sa manche avec Mirror's Edge Catalyst, prévu 23 février 2016 sur la triade. Ce FPS, un quasi-plateforme, aura marqué l'esprit de plusieurs joueurs avec cette génération précédente de consoles qui proposait l'exclusivité Mirror's Edge sur Xbox. Ce jeu à la ville incroyable et l'histoire aseptisée est revenu. Electronic Arts fait le saut, un bond de comète, mais pas dans le vide, avec, eh bien, un pas sûr vers l'évolution tant attendue de cette licence qui fait planer et qui donne de l'espoir de retrouver Faith.
Non, pas fesse, face, espoir. Beaucoup plus poétique, qui est vraiment bizarre d'ailleurs de trouver ça dans cette conférence, c'est Unravel. Avec très peu d'informations, c'est désormais un titre poétique et aux allures d'indépendant qui se présente dans cette conférence avec Maestria. Avec le dernier très inspiré Yoshi Woolly World de Nintendo, et on se retrouve avec le même principe, mais un perso incroyablement mignon, avec une réalisation poétique qui promet d'en découdre, avec sensualité, douceur et drame. Avec un trailer qui est extrêmement convaincant, mais très peu d'informations cependant, on nous présente ici un vrai chef-d'œuvre dans le genre, à mon avis, et j'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus. C'est surtout bienvenu dans cette masse de jeux déjà vus et sanglants. En tout cas, Unravel a su tirer son épingle du jeu. Tire la bobiette et la chevillette. Cèdera. Quoi ? Non ? Enfin, pour clore la conférence EA, il y avait bien sûr le géant Star Wars Battlefront. Eh oui, Dax aussi, 19 novembre 2015, date annoncée, les fans sont fous. La saga de George Lucas connaît effectivement une espèce de renaissance depuis ces deux dernières années. Très entendu, on peut quand même se poser la question que s'il n'y avait pas le nom et l'univers attaché à ce titre, est-ce que le style de jeu est en définitive pas le même que beaucoup d'autres licences ? Mais encore une fois, que l'on aime ou qu'on n'aime pas, Star Wars envoie de la supernova dans le cœur des amoureux de science-fiction. Les graphismes. Ce jeu, envie de tester, j'ai. Alors que la licence de marbre me laisse. Dans les vidéos-jeux. Venant tâtonner du coude tel Bethesda et Electronic Arts, Ubisoft vient tâtonner du coude avec les grands monsieur. Une conférence de l'ennui ? Exactement. En tout cas, au niveau des nouveautés, c'est clair. Du moins pour ceux qui ont autre chose en tête que de décharger leur gros fusil. En mal d'une alternative convaincante et concluante, si vous voyez ce que je veux dire. Mais animée par une présentatrice de folie, il faut lui reconnaître, cette conférence était réellement dynamique et agréable à regarder malgré l'ennui généré par l'évocation de chaque titre. Oui, et puis une licorne qui crache du feu par les narines surmontée d'un chat en mode guérilla sous un fond d'arc-en-ciel, je suis désolé, mais... Ouais, c'était Trials Fusion. Pour tous les jeux de guerre ou de vroom vroom, eh bien, c'est des jeux qui ne m'intéressent moins. Moins. Ça m'intéresse pas, quoi. Je sais qu'ils vont en séduire plus d'un, évidemment. Eh bien, oui, comment mieux compenser ce qu'il nous manque avec une grosse bonne bagnole ou un gros canon démesuré. Entre autres, des licences qui ont su s'installer dans la postérité, comme Ghost Recon, Wildlands et Rainbow, Six Siege, The Division, The Crew et Trackmania. C'est dur. Alors, je ne nie pas le côté fun, bien évidemment, surtout Trackmania, et les graphismes parfois bluffants de ce titre. On vit dans une ère formidable. Ceci dit, moi, j'aime l'indé, l'original, pas tout le temps la délicieuse pizza que tout le monde a déjà goûtée. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez clair, ma métaphore, non? Deal with it. Et Ubisoft ne serait rien sans sa fameuse licence Assassin's Creed Syndicate. Le syndicat est de retour. Que penser de cette licence de la triade déjà surexploitée jusqu'à l'overdose? On peut ici aussi reconnaître l'attrait indéniable de jouer un assassin et la maestria avec laquelle ils exécutent leur jeu. J'y arrivais. Mais à partir du moment où le concept s'exporte à des endroits toujours plus éloignés historiquement mais toujours plus raccourcis dans le temps de notre réalité à nous, on peut dire que Assassin's Creed ne laisse jamais le temps de souffler. Ce qui laisse encore une fois pour ce titre une sensation d'overdose qui est... pas vraiment profitable pour l'éditeur. Profiter éternellement d'une vache à nez, c'est ça le vrai crime, c'est ça le vrai assassinat. Ces criminels ne savent vraiment pas faire monter la sauce, de mon point de vue. Et on sait que la sauce anglaise est souvent indigeste. Sérieusement, outre les grandes métaphores et paraboles, je dois simplement dire que Assassin's Creed est pour moi une licence formidable, mais beaucoup trop présente ces dernières années. Fort heureusement, il y avait aussi For Honor, le titre présenté par une espèce de Vlad Tepes en canne, qui était, ma foi, fort convaincant. Dans sa présentation, une nouvelle licence prometteuse style chevalerie, médiévale, warfare, mais avec le côté beaucoup plus sérieux des graphismes dopés, un petit côté Musso, Dynasty Warrior, où tu pètes la gueule de Gary Landa et tu te retrouves face au général, avec qui, droit dans les yeux, tu agites ton épée, ton arme, ton katana. Peu importe, tu peux être viking, chevalier, n'importe quoi, et la castagne individuelle est apparemment bien sanglante, rythmée, et au système qui en a fait grincer des dents certains, moi, m'a beaucoup convaincu. Alors certes, ce n'est pas une licence
extrêmement nouvelle, puisque les combats dans ce genre existent depuis belle lurette. Cependant, j'aimerais vraiment savoir ce que le potentiel d'un jeu comme ça avec un casque de réalité virtuelle et des espèces de nunchuck qui vous permettent de réaliser les mouvements de l'épée. Là, on... Oh. Non, je sais pas vous, mais moi c'est un de mes fantasmes. Et si on a un jour une Xbox Station U, eh bien j'aimerais bien que cette espèce de fantasme devienne réalité. On finit avec South Park, The Fractured Butthole. Oui, un jeu de mots digne de Matt Stone et Trey Parker, les génialissimes papas de la série. La suite du RPG à succès sur la triade, eh bien c'est prévu, personne ne l'a vu venir, surtout pas dans ton cul. Voici une deuxième sondanale du même goût, rien que pour vous. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Qui c'est qui a tout niqué? C'est Sonic qui a tout niqué. Il a soniqué tout le monde. Oui. D'ailleurs, entre parenthèses, vous avez jamais pensé à Sonic qui rejoindrait Sony? Je veux dire... N'en faisons pas encore trop avec le recul, mais... Sony l'a fait malgré tout. Il a sorti le grand jeu. Il a écouté ses fans, il a fait grimper en hausse le marché Wall Street des caleçons et boxeurs de toute la planète. Un tsunami d'excitation a touché le monde. Mesdames et messieurs, ici Jim Hoffman pour Radio Culotte. On observe ici des perturbations dans les strings avec une légère augmentation de la température dans la plupart des décolletés. Et oui, la conférence était à ce point chaude. Et il commence avec du lourd, avec des promesses qu'on n'entendait plus, des promesses qu'on ignorait, des promesses auxquelles on ne croyait plus du tout. The Last Guardian. Enfin du gameplay, daté en 2016, exclu PS4, il est là. Last but not least. En gros, il était initialement prévu pour PlayStation 3, annoncé depuis bientôt 7 ans, cible de rumeurs, d'annulation, de mal en pis. La honte de communication est un véritable mystère constant à cause de ça. Ce titre touchant s'annonce désormais sensationnel, maintenant qu'il est montré. Il est beau mon Fumito. Le Fumito Ueda nous a habitués à l'excellence, à l'originalité... Pardon, c'était dégueulasse. À l'originalité couplée à la poésie la plus raffinée, à la subtilité la plus brute, avec Ico et Shadow of the Colossus qui ont su imposer leur maestria sur les consoles auxquelles ils étaient exclusifs et le sont toujours. Ces titres ont marqué l'histoire et ils ont fait un enfant qui s'appelle The Last Guardian. Il combine avec beaucoup d'inventivité, selon moi, eh bien, les deux titres, c'est-à-dire combattre des colosses, en l'occurrence là, tu as un gros colosse tout mignon, mignon adorable, et tu te le trimbales comme si c'était, eh bien, une seconde roue, exactement comme dans Ico. Il arrive sur le tard et la légitimité du projet se pose notamment en question. De mon point de vue, il faut croire énormément à tel projet pour le maintenir en vie d'une plateforme à une autre durant aussi longtemps, ce qui veut dire que pour moi, Sony croit énormément à ce projet, et je pense que les fans aussi. Gageons que ce sera une découverte magnifique à tous les niveaux, et je trépigne d'impatience de le découvrir avec vraiment des promesses rehaussées, c'est-à-dire des graphismes tels qu'il l'avait voulu à la base. Une promesse dont nous serons les gardiens atemporels. Sans laisser le temps de se remettre de cette émotion, on enchaîne avec le studio Guerrilla qui est venu nous présenter non pas une cinématique, non pas un trailer, non pas un teaser, mais du gameplay pour 2016, certainement une grosse exclue PS4, tel record pour Microsoft. J'imagine que ces deux-là vont entrer en compétition. Il s'agit de Horizon Zero Dawn. La nouvelle licence excitante s'il en est à l'image de Record, la PS4 se paye aussi des exclus bruts du décoffrage. Certes moins original que Record, les mechas sont décidément à l'honneur ces dernières années. Les graphismes sont bluffants et le jeu a su montrer un dynamisme incroyable qui rappelle Gears of War en son temps. Donc c'est pour moi un bijou exclusif qui pourrait bien faire la différence prochainement en termes de killer app pour la console de Sony et peut-être même une future licence va chaler. Avec son côté Hans Leven assumé et son gameplay ultra nerveux semblant à la fois libre et scripté à la sauce Naughty Dog, ce titre promet une aventure d'excellence revoyant les codes du genre à sa manière. C'était un peu comme regarder Jurassic World mais avec des mécadinos. On enchaîne avec Ratchet & Clank, le duo détonnant qui vient de l'espace. C'est fuité précédemment
avant l'E3 et a été reconfirmé durant celle-ci. Quoi qu'il en soit, il est véritablement plaisant de revoir le Tanuki de l'espace et sa boîte de concert préférée au devant de la scène. Surtout dans le genre plateforme où la représentation se fait sur abondante du côté de la scène indé et moins du côté blockbuster. Il est agréable, voire rassurant de voir des jeux comme ça qui ne sont pas oubliés. Ce titre, au-delà de sa réalisation léchée au poil et réglée comme une horloge suisse, semble faire honneur à la série et promet surtout une possibilité de recrudescence des autres titres phares de l'époque, que ce soit Spyro, Medieval ou, plus ressemblant dans le type du duo, Jak and Dexter, voire même un bon Crash Bandicoot. Ouais. Ensuite, Sony a décidé de nous achever, mais pas tellement, avec un trailer de fou à la bande-son incroyable et au rythme vraiment frissonnant, c'est Hitman le retour de Square Enix sur la triade évidemment, pas encore de date précise, mais aucune console ne sera privée de son crâne d'œuf le plus meurtrier de tous les temps. Un monde plus libre, un charismatique personnage alors qu'il n'a aucun poil sur le caillou et qu'il est pourtant banal, comment ça se fait? Par contre, j'ai vraiment la désagréable impression qu'aujourd'hui, pour convaincre l'audience, l'argument d'open world doit obligatoirement être énoncé, être mis sous la table, et si on n'en est pas loin, la démesure est bien un argument. Je veux dire, ça amène une espèce de banalisation du genre autrefois réservé aux grosses prods ambitieuses pour en faire un espèce de fourre-tout adaptable à n'importe quoi et n'importe quel genre. Je veux bien qu'il y ait une certaine rejouabilité, mais j'ai pas l'impression que la solution ce soit ça, c'est-à-dire créer un plus grand monde dans la quantité, mais restreindre la qualité. Ou alors, les joueurs ne sont jamais contents. C'est peut-être ça aussi. Quantité égale qualité? Pas toujours, surtout si on veut être discret. Quoi qu'il en soit, ce trailer aura remis la patate dans le rythme de la conférence. En parlant de patate, c'est Street Fighter 5 qui se ramène, aussi exclu PS4 et oh la tatane, elle fait mal. Ce jeu combat, qu'on en préfère un autre ou pas, on ne peut pas nier son impact détonnant sur la scène eh bien, des jeux de baston. C'est un combo énorme qu'on nous annonce via cet exclu, même si c'était connu depuis un certain temps. Sa reconfirmation de cette exclusivité sur PlayStation 4, au moins à ses débuts, ça fait mal. C'est fort, c'est musclé, gameplay très manga et encore plus dynamique que les précédents avec des effets de scène, ma foi, fort sympathiques, quelques persos pas fort intéressants annoncés. Quel sera le casting final? On le découvrira prochainement, sûrement courant 2016 et 2020, pour voir tout le roster dans une version Alpha Omega Ultra Jenga, éventuellement. Pour un peu plus de poésie, d'exploration et de douceur, il y a No Man's Sky d'Hello Games, une exclue PS4 mais aussi PC du coup. Eh bien, c'est Out There en FPS, Out There, le let's play que j'ai fait que vous pouvez voir ici, qui est un jeu d'exploration et de gestion dans l'espace à une échelle exactement très différente, puisque là, on nous parle encore une fois d'un monde ouvert pour les amoureux d'exploration spatiale, et on peut émettre clairement des doutes sur l'authenticité démesurée des promesses faites envers ce titre, qui sous-entend une aventure réellement infinie, et a bluffé par sa présentation. Je sais pas si vous avez assisté à ça. Si vous l'avez pas vu, quand il dézoome et qu'il montre toutes les possibilités, c'était énorme, c'était gargantué, c'était interstellaire, et on se dit, ça va faire cracher la console, c'est pas possible. Enfin, la présentation était impressionnante, c'est tout ce qui compte. À voir si le titre saura garder intérêt et nous mettre encore des étoiles plein les yeux. En parlant de rêve, c'est Dreams de Media Molecule qui, avec une date inconnue et une exclue totale PS4, s'est présenté à nous avec un concept quelque peu morbide. En tout cas, les graphismes, les concepts de fou, des créateurs très inventifs et qui ont fait leur preuve au niveau des armes qu'ils tiennent, notamment avec Little Big Planet et Terra Way, nous proposent ici une exploration et une création infinie, mais on peut dire que cette démo aura quand même laissé songeur, c'est le mot. Même si les possibilités font évidemment rêver, on se demande si ces jeux ne sont pas tous démesurés. Comme je le disais, l'argument de l'open world, ou plus plutôt de la foison, de la quantité, de l'abondance, va peut-être causer plus de tort que de bien à certains titres. En tout cas, leur présentation sortie droit des limbes de réalisateurs fort créatifs ayant déjà fait leur preuve est un tour de force néanmoins. Et utilise également les fonctionnalités du gamepad de la PlayStation 4, ce qui peut être bienvenu dans un moment où cette manette et ses fonctionnalités pourtant diverses n'est pas réellement exploitée. Le plus fort est qu'ils arrivent à interroger l'audience alors qu'ils ont montré par le passé à quel point ils peuvent réussir. Quel sera réellement l'enjeu de ce mystérieux et quelque peu angoissant nouvel outil de création? J'ai mal au cul, moi. Avec ces trucs. Au graphisme un peu identique à No Man's Sky, c'est Firewatch de Campo Santo sur PC et PS4 qui s'est présenté à nous une nouvelle fois. Un très bon FPS d'aventure en storytelling apparemment énorme,
avec un trailer très efficace, peut-être que ce jeu saura séduire ceux qui sont sensibles au parti pris graphique minimaliste et coloré, édulcoré même aux fins cliffhanger et à l'humour américanisé assumé. Qui sait ? On demeure curieux et attentif devant la flamme de la nouveauté. Peut-être même au risque d'être déçu, nous le verrons bien assez tôt. Pour finir, il y a des jeux Devolver Digital, 4 exactement, que des exclus PS4 bien juteuses, bébé. Hotline Miami, Titan Souls, ces jeux pixel art excellentissimes, ça vous parle ? Eh bien, Dédé remet le couvert et c'est musclé, c'est violent trash, et on peut dire qu'en tant que précurseur du renouveau du genre, eh bien, Dédé se pose là. Avec des titres couillus comme ATR, Crossing Souls, Ronin et l'hyper-violent Mother Russia Bleeds, on assiste, je crois, à l'expansion, que dis-je, la floraison en puissance d'un studio en plein essor, et ça fait plaisir à voir, il le mérite. Et s'il ne devait y avoir pour l'instant qu'un genre qui s'identifierait au parti pris graphique du pixel art, eh bien, j'aimerais que ce soit eux. Pour Call of Duty, Battlefield, Black Ops, 3, je ne sais pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, lui aussi, il est là, et c'est de la balle en termes de graphisme. La campagne courte a toujours fâché, mais on ne peut pas décidément lui enlever une certaine maestria au genre papa des FPS. C'est tout ce que j'ai à dire dessus, parce que moi, les jeux de guerre, j'y connais rien. Et Final Fantasy VII Remake. Exclu PS4 et PC pour sûr. Enfin, après le troll fantastique de l'année dernière, le voilà, le désiré, l'aimé, la star, la coqueluche, le Jean-Claude est de retour. Un teaser très, très efficace qui a laissé le doute jusqu'à la fin. Mais OMG que c'est bon. Sans y avoir jamais joué, je connais la hype grâce à mes aînés, à mes ancêtres. Et je jouis d'avance de ce jeu qui a, pour moi, sans même avoir fait les autres Final Fantasy, j'ai vu chaque personnage d'ensemble, il a vraiment le roster le plus charismatique, et c'est pas seulement à cause de hype. Pour tout vous dire, je trouve que le roster de Final Fantasy X et de Final Fantasy IX est plus intéressant que le 7, d'un point de vue objectif extérieur donc. Mais la hype autour de ce jeu, elle est là, elle est bien présente, et c'est surtout quelque chose qui est beaucoup plus important que le fait de suivre la mode, suivre la tendance, ou de dire « Oh, Square Enix n'a plus d'idée, alors il fait un remake ». Non, il faut savoir que les remakes, ils devraient être faits par l'équipe à la base. Et avant que cette équipe prenne la retraite, qui est bien méritée, hein, il faut le dire, il serait temps qu'ils fassent ce remake, qu'ils fassent avec la technologie d'aujourd'hui, le chef-d'œuvre qu'ils ont réalisé dans le passé, en gardant les mêmes promesses, c'est-à-dire tout garder identique sauf les graphismes. Et le même système intégré, pas de combat, mais au moins voir les monstres, voir les personnages des adversaires, pour ne pas tomber dans cette espèce de retort Final Fantasy où tu avances aléatoirement et tu tombes sur un monstre invisible, où en fait il y en a 10, et après quand tu repasses dans le même couloir, ils sont encore là. Tu vois ce que je veux dire ? Ça apparaît de nulle part comme ça. Ouh ! Ma bite une boîte ! Enfin, pour ma part, je ne fais qu'imaginer les possibilités là où beaucoup ont peur avec le recul, à raison. J'espère qu'ils vont tout garder, comme je l'ai dit, à l'identique, excepté les graphismes. Et le trailer ainsi que les annonces semblent abonder en ce sens. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'alarme à sonner. Que du bon pour ce remake, oui. Remake du jeu qui a propulsé à l'échelle mondiale la saga FF comme maître du RPG en son genre. C'est quand même pas rien. Bon, connaissant Square Enix, on peut tabler pour 2018-2020 dans les meilleurs des cas. Non, avouez quand même que le trailer avec la musique, c'était genre... Oh, le plus agréable était sans doute de voir le bonheur des gens. Mais je voulais placer World of Final Fantasy juste après pour une raison. Une exclue PS4 sans date ni plus d'infos. Cet autre produit, ma foi très mignon, me laisse aussi très sceptique. Pourquoi s'entêter à développer un produit dérivé au graphisme de Kingdom Hearts lorsque FF15 se fait attendre de plus belles lurettes, que Kingdom Hearts 3 est sur le tas, et maintenant un autre énorme projet tel que Final Fantasy 7 Remake ? Je veux dire, franchement il a l'air cool. Le Final Fantasy, wow, Final Fantasy, ça a l'air bien. Ça a l'air adapté en plus pour une tranche d'âge un peu plus jeune, leur faire découvrir le genre et tout ça, mais... Dispersion. Pour moi, ça semble risqué, avare, cupide. Le concept est génial, mais Square Enix devait vraiment, absolument se concentrer sur ses priorités et sortir cette alternative entre deux arcs de grosses sorties. Donc après qu'ils aient sorti tout ce qu'ils annonçaient là, tu vois. Enfin, ce n'est qu'un détail. On enchaîne avec du Shenmue 3. Oui, Shenmue 3, t'as bien entendu, sur Kickstarter, autofinancement, financement collaboratif. Et je trouve ça fantastique.
Le 3 de toutes les possibilités. C'est incroyable. Le Messi est de retour, la légende de la Dreamcast. Ce mythe est là et honore la plateforme Kickstarter de sa présence. Vous savez ce que j'en dis? Ceux qui disent projet, même pas financé, allez vous faire foutre, bande de gros cons. Oui, je suis très grossier. Simplement parce que Kickstarter, c'est l'avenir. Pourquoi? Parce que ça suffit, l'égide des grosses boîtes, ceux qui disent tout, avec l'argent, les décisions des marketeurs qui ne laissent pas s'exprimer les créatifs. Là, c'est maintenant le temps de la parole des acheteurs, des fans, des fidèles. C'est la parole de ceux qui sont réellement concernés et pas ceux qui pensent être concernés. Donc, c'est vous qui investissez, pas ceux en costard qui sont très doués dans leur domaine, mais qui n'ont rien à faire avec tout ce qui se passe là-dessus. C'est zéro prise de risque depuis des années. Et là, on a au moins cet aval qui se crée. C'est l'épiphanie, c'est les éditeurs qui commencent petit à petit à reconnaître leur présence en tant que, non pas maître, mais niveau égal avec leur public, c'est-à-dire on vous écoute, votre avis importe réellement, et c'est pas juste des paroles en l'air qu'on entend et qu'on balance derrière l'oreille, quoi. Non, parce que c'est vrai, la prise de risque, une fois tous les 5 ans, ça commence à bien faire, quoi. On soupe des mêmes licences tout le temps, un titre ponctuel ici, un studio indépendant qui arrive, qui est maigrement médiatisé, Dieu soit allé, grâce aux pigistes, et grâce aux youtubeurs surtout. Donc voilà, c'est quand même une tendance, une nouvelle tendance qui s'annonce, et ça fait extrêmement plaisir. Après Megamine, après le successeur de Banjo-Kazooie, Ukulele, qui s'appelle, Kickstarter financé à plus de 2 millions, je crois, et d'autres jeux comme ça, qui Castlevania, moi, ça me fait plaisir. Par exemple, imaginez, petit aparté, petite parenthèse sur Shenmue, imaginez que le projet annulé de Kojima, Guillermo del Toro et Norman Reedus reviennent sur Kickstarter. Ce sera plus Silent Hill et ça me chagrine, mais il pourrait être financé. Peut-être que ça donnerait naissance à une nouvelle licence du genre de jeu d'horreur. Parce que ça clairement, Silent Hill Pity, qu'on se le dise, ça aurait été le jeu d'horreur de notre génération. Ni plus ni moins. Avec le graphisme que ça montrait, les idées, le génie de tous ces têtes pensantes, ça aurait été énorme. Et Kickstarter va peut-être le permettre. On n'est pas au bout de nos surprises, les enfants. Enfin, la créativité renaît grâce à Kiki. Et Dieu merci. Avec un record battu, attendu, voulu, Shenmue, 2 millions en même pas 8 heures, la somme demandée. Mec, c'est juste Shenmue-nifique. On est juste complètement impatient de voir cet esloup PS4 débarquer dans 3 voire 4 ans selon moi. C'est là la preuve que les éditeurs s'ouvrent et écoutent encore une fois. C'est la cohésion du vendeur et de l'acheteur, main dans la main et plus main dans le cul. C'est bien, on construit le jeu vidéo ensemble. C'est plus unilatéral, c'est au-delà de la licence, cet énième exemple, et pas des moindres, montre du doigt le chemin à suivre. Alors, par là. Enfin, cette conférence de la magistralité, de cette dominance de Sonic et tout le monde, c'est Uncharted 4, 2016, Naughty Dog. Faut-il le présenter? Non. Juste avant d'aborder ce titre, qui a été fort convaincant dans sa présentation d'ores et déjà, je peux le dire, c'est... Eh bien, l'annonce de la compilation pour octobre des 3 premiers Uncharted, et avec ça, il y a aussi Beyond Two Souls et Heavy Rain qui ont été annoncés de Quantic Dream. Alors là, je dois dire, d'un côté, il y a un espèce de ras-le-bol et de se dire, et j'en viendrai à ma conclusion, attends, c'est encore un remaster ? D'un côté, tu te dis, ah, c'est super cool, mais ce serait d'autant plus cool si t'avais vraiment des gros jeux qui sortaient en même temps, enfin, des jeux, parce que là, des exclus PS4, il n'y en a pas des masses, plus que Microsoft pour l'instant, mais pas des masses. Et le fait est que, bon, moi ça me réjouit parce que j'ai pas eu la chance d'avoir la PS3, elle coûte toujours un peu beaucoup cher, et Uncharted qui débarque en compilation remasterisée sur ma PS4, ça me fait plaisir par contre. Bon, c'est bien dommage comparé au coût de la Xbox qui sort sa rétrocompatibilité. Pour le coup, oui, la Xbox des fenêtres Sony à ce niveau-là. Enfin, retour sur Uncharted 3, la véritable aventure, le véritable sujet. Plus besoin de présenter ce chef-d'œuvre de Naughty Dog, ce nouveau poulain, cette légende devenue légale de Tomb Raider et ses gros seins. Cette vidéo gameplay, encore une fois, mit tout le monde d'accord. C'était beau, c'était drôle, c'était ouvert, c'était Uncharted, putain. Après, encore une fois, ça, il y a eu un crash. Comme l'année précédente, c'est, je sais pas si c'est une malédiction qui plane sur le jeu en mode Aztec-Pastec, mais, franchement, c'est pas le bol. Après, je pense aussi que ça veut dire que les consoles, c'est ça leur problème, elles sont limitées. Elles sont limitées et quand tu fais des gros jeux comme ça,
Certes, ça passe, mais c'est comme un PC qui s'essouffle un peu, tu sais, le petit bébert là qui cartonne depuis 7 ans et qu'il aurait besoin d'une nouvelle carte graphique. Là, c'est une question marketing et c'est ça le gros point faible des consoles par rapport au PC. J'ai l'impression que cette parenthèse sur Uncharted aura plus servi à temporiser la guerre des consoles qu'autre chose. Quoi qu'il en soit, Uncharted, on l'attend avec impatience et croyez-moi, très fidèle, je serai au tournant lors de la sortie de la compilation en octobre pour me l'approprier et vous faire cette série en let's play parce qu'elle le mérite. Oh yeah. Petit aparté de fin sur cette conférence de... J'ai sauté de joie. Il y a donc le casque de réalité, de VR, réalité virtuelle, Virtual Reality Morpheus. Oui, celui qui a un écart entre les dents dans Matrix. Voué à dépasser l'Oculus Rift, on ne sait pas. Mais avec la... vraiment l'expansion des gros éditeurs sur... ces devices, ces appareils et cette technologie du futur, on se demande même quand Nintendo va débarquer dessus, que va devenir l'Oculus Rift à l'origine précurseur de tout ça? Est-ce qu'il aura toujours sa place en tant que premier ou est-ce que les technologies et les plus gros budgets de ces éditeurs vont permettre leur domination? Je ne sais pas. Voilà, c'était la conférence Sony qui a soniqué tout le monde. Encore une fois, pas de préférence. Je reconnais que Microsoft a vraiment beaucoup sorti son épingle du jeu, il a réussi à s'imposer comme un éditeur à nouveau important. Sony, là, il a fait, on peut dire ce qu'on veut, c'est peut-être du pré-mâché pour certains, c'est peut-être du réchauffé pour d'autres, mais il a écouté son audience, enfin. Et je reviendrai sur le gros problème de Sony à la fin de cette émission. Ouais. On enchaîne avec la conférence de la honte, le Nintendo Direct de la honte. Quelque chose de absolument risible à tous les points de vue. Et pourtant, j'aime beaucoup les jeux Nintendo, je les trouve extrêmement charismatiques. Très 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 fantastiques. Très fantastiques, exactement. On commençait bien pourtant avec des marionnettes à la Muppets, une présentation assez bizarre, mais la hype était là et en même temps... cette espèce de direct ne permet pas d'avoir une réaction de la foule comme une conférence, donc oui, c'est dommage qu'ils ne soient pas là, mais quelque part, ils ont le Tokyo Game Show. Bref, pour revenir à Star Fox Zero, c'est un reboot sur la Wii U. Ah oui, on l'attendait la suite, et oui. Avec le gamepad, ça peut être énorme, mais rassurez-moi, les graphismes là, c'est de l'alpha. Alpha, hein? Non. Elle est tellement méritante d'un rendu graphique à la hauteur. Mais là, je sais pas, c'est pas moche, hein, c'est pas ultra moche, mais c'est clairement en deçà de ce qu'on s'imagine d'un grand Star Fox, non? Est-ce que vous avez été déçu comme moi, très fidèle? Et tout ça, c'était que le début, parce qu'ils nous ont sorti après des jeux remâchés au design médiocre, que ce soit Metroid, Zelda, il y a que Mario et Luigi Paper Jam Bros, peut-être qu'il peut être bien, mais même ça, c'était bizarre de voir des Mario et Luigi avec un Mario en papier en sticker. C'est comme s'ils disaient, on va faire des crossovers, on n'a pas d'idée. Le Metroid, il y a même des gens qui font une pétition pour l'annuler parce que ça ressemble à rien. On dirait l'espèce de jouet que tu trouves à Tati Babou. Et Zelda, je veux dire, ils nous ont habitués à l'excellence avec des graphismes bien léchés sur leur console portable. Et là, c'est pixelisé, on dirait de la PlayStation 1. En tout cas, in-game, c'était pas convaincant du tout. Ces trois jeux DS qui est pourtant le cœur de leur organisme. La DS, c'est ce qui fait le plus de ventes. C'est la console qui fait le plus de ventes au monde. Je veux dire, et ils nous sortent ça, quoi. Après, t'as Animal Crossing en mode Sims où ça, c'était assez sympa. J'aime beaucoup la licence Animal Crossing dans le sens où tu peux, là, en plus, créer ton des appartements. Ça, j'aime bien, c'est assez cool, c'est une bonne fonctionnalité. Toujours sympathique. Mais ensuite, t'as avec les Amiibo. Stop avec les Amiibo. Et je parle même pas de l'aparté Skylander, ça m'écœure. Mais les Amiibo, c'est le truc que ils y croyaient pas du tout quand ils sont sortis. Ça a fait un succès monstre, les revendeurs sont en mode je vais enculer tout le monde en sortant un Amiibo à 40€ alors qu'il a coûté 12€ et que ça vaut même pas 12€. Tu te retrouves avec ça? Avec des Amiibo qui sont maintenant obligatoires pour certains jeux, enfin obligatoires, on va dire que si tu les as pas, tu peux pas profiter pleinement de l'expérience du jeu. Donc t'achètes ton jeu à 60€, ta console à 200€ plus, 300, je sais plus, et en plus les Amiibo à 12€, je veux dire... Est-ce que tu te foutrais pas un peu de moi? On enchaîne sans plus attendre avec un RPG confus. Mais Atlus fait du bon alors, hein, pourquoi pas, à voir, honnêtement, je suis le moins qualifié pour en parler, mais il y a une telle confusion à ce sujet, même ma femme, qui elle est friande, elle est vraiment friande des RPG, des JRPG même, elle adore ça.
Mais elle comprenait rien. Elle comprenait rien alors que c'était Nintendo français, tu vois, c'était dubé en français. Là, ça transparaît même dans les trailers, c'était genre... Ouais... J'ai rien compris. En gros, c'était un crossover de licence entre Shin Megami Tensei et un autre truc que j'ai oublié, Tales of quelque chose. Et c'est ça aussi le problème avec le Japon, c'est qu'ils sont très conservateurs, et tant mieux pour leur culture et la conservation de leur patrimoine. Mais au niveau de l'importation, ça a toujours été un bordel monstrueux. Au niveau des jeux vidéo, je veux dire, depuis les années 1980, c'est toujours fastidieux. Depuis les premiers Final Fantasy, ça a toujours été la croix et la bannière, avec des titres différents, avec des traductions approximatives, je veux dire. C'est quand qu'on travaille main dans la main pour créer des jeux vidéo qui transcendent tout, quoi. Avec une... Je veux dire, je pense que la France, les États-Unis, les pays d'Europe ont montré suffisamment d'intérêt pour la culture japonaise pour admettre que oui, ça peut être une bonne idée de démocratiser, de médiatiser les titres qui marchent fort au Japon pour en faire des titres fort aussi ailleurs. Je veux dire, moi je ne demande que ça de m'ouvrir à toute cette culture. Je ne demande pas que ce soit que ça, mais quand même quoi. Et justement, à ce titre, il y a enfin Yo-Kai Watch, cette espèce de mystère sur 3DS qui arrivera en 2015-2016, je ne sais pas. Enfin en Europe, ce jeu de Level 5, qui est, bon, ni plus ni moins la relève de Pokémon, mais plus axé Japon, avec un folklore, en fait c'est un phénomène grandissant. Mythologie très intéressante basée sur le folklore nippon, les yokai, c'est comme des légendes urbaines pour eux. Et c'est bon enfant, un design charmant grâce encore une fois à Level 5 qui nous a habitués à sa patte graphique excellente, que ce soit avec Phoenix Wright, Ace Attorney et Inazuma Eleven, et surtout Professor Layton. Donc il y a vraiment, dans le gameplay, et là les graphismes étaient beaux sur 3DS, tu vois. Là c'était contrairement au plus gros jeu, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Ensuite, on retourne avec Nintendo, le cœur de la balle, les Mario Tennis Ultra Smash. Bah, ça faisait longtemps ou presque on n'avait plus vu le jardinier, hein. Yeah! Bon, et on va pas cracher dessus. Après tout, les sports X Mario, OCV le plus édulcoré du monde, on comprend pourquoi le petit marxiste se tape toutes les princesses, wesh. Mais, voilà, c'est une addition toujours sympa. Et en dehors du Nintendo Direct, il y avait aussi l'annonce de Earthbound Beginnings. C'est ni plus ni moins Mother, Earthbound, la série RPG qui est très... Bah, elle est très culte pour la plupart des gens qui sont fans de Nintendo, et on peut comprendre pourquoi. C'était un des premiers, c'était un univers assez... Il faut le voir, à mon avis. Mais ce qui est bien, c'est que c'est maintenant traduit, en tout cas en version anglophone, on verra en français, mais c'est dispo sur Virtual Console, donc console virtuelle, donc Wii U, et c'est pas mal. Ça peut être une bonne idée. Mais surtout, alors ça c'est le problème de Nintendo. Projet Zero 5, ils ont racheté la licence sur Wii U, avec la venue en Europe, donc très très bon point. Un des meilleurs survival horror qui ait jamais existé, Projet Zero, connu comme Fatal Frame également. Et là, il arrive avec le gamepad, le concept innovant, c'est la console parfaite pour ça. Honnêtement, le gamepad de la Wii U est parfait pour ce gameplay. Le souci, c'est qu'ils l'ont... Ils l'ont pas montré, ils l'ont pas mis en avant. Alors je comprends, quand tu fais Mario, quand tu fais un truc pour les enfants, tu montres pas du Projet Zero. Et c'est ça le problème de Nintendo. Ils ont tellement une image tout publique qu'ils devraient, ils devraient créer une autre branche qui s'appelle aussi Nintendo mais qui a un autre nom et qui elle s'attarde sur des jeux beaucoup plus adultes. Tu vois ce que je veux dire, genre du Monster Hunter, genre du Projet Zero, du Nier, enfin des jeux qui sont un peu plus trash, tu vois. Et ça leur permettrait de toucher un plus grand public européen parce que c'est leur démarche. Tu vois. Moi je suis hyper hypé pour Projet Zero 5 et pour tout le reste c'est même pas de demi-molle quoi. Donc tout le monde vous le dira, c'était le Nintendo de la honte. Et c'était vraiment ponctué avec un rythme lent et d'interlude avec les Muppets là et l'espèce de... Je sais pas, c'était un malaise. Je suis désolé mais... Oh mon dieu. Et toute cette E3 va se terminer avec Square Enix, lui aussi. Eh bien, un géant qui commence petit à petit à s'installer avec les autres sur le devant de la scène. Et il ramène Just Cause 3 en 2015 par Avalanche Studio, le jeu de Michael Bay, 100% réaliste. Reviens. Ce sandbox défouloir se fait plaisir
mais est vraiment caricatural, aux limites du ridicule parfois. Je veux dire, l'action sans réflexion. Just because fucking explosions. Toujours plus gros, toujours plus fort, toujours plus abusé. Parce que... Just a cause. Non, le titre est drôle, rien qu'en soi, c'est... Why? Just cause. Because I can. I'm Michael Bay, motherfucker. Enfin, Square Enix avait 6 projets secrets à nous annoncer et il fallait pas s'attendre à... Enfin... Ma faute. Je m'attendais à du gros, du lourd, du beau. On a eu droit à quelques exclus bien sympas. Enfin, exclus. Annonces. Et bien des jeux qu'on connaissait déjà, sinon. Ou des dérivés. Et ça, c'est dommage. Il y avait donc le nouveau Nier titre en préparation. On ne sait pas, ça s'appelle Nier. Nier qui est un simple teasing, rien de plus, pour la relève de cette licence sous-estimée et légèrement passée inaperçue, mais restée culte dans le cœur de quelques intéressés. On peut s'attendre à du multi-support également. On verra bien ce que ça donne pour ça. On n'a pas eu de quoi se mettre vraiment quelque chose sous la dent, c'était juste l'effet d'annonce qui était sympathique. Après, on est passé à du Star Ocean 5, et là, c'est motus et bouche cousue. Il faut l'annoncer, mais j'ai pas d'intérêt pour ça, moi, comme j'ai pas pu me familiariser avec la licence, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être chauds. Pour moi, c'est juste, dans cette conférence-là, c'est trop d'espace, trop de RPG, donc ça va, là, ça va. Et on enchaîne donc avec Deus Ex Mankind DVD. Somptueuse licence précurseur, un reboot excellent ces dernières années, nouvel opus prometteur ici, mais c'est un mode de genre regroupé qui se ressemblent tous, c'est presque la crise de foi, non ? Au moins, pour Deus Ex, il y a eu une certaine attente, c'est-à-dire qu'ils ont pas fait comme Assassin's Creed, c'est genre, hey, 3 mois plus tard, voilà, un autre Assassin's Creed, sur PSP. Ensuite, Square Enix a continué en annonçant, ce qu'il avait déjà annoncé depuis longtemps, Rise of the Tomb Raider, la suite du préquel, le préquel, de Crystal Dynamics en novembre 2015, un exclu, pour le coup, c'était assez surprenant, cet exclu Microsoft. Je veux dire, si ça en est toujours d'actualité, est-ce que Rise of the Tomb Raider, qui est, je veux dire, Tomb Raider, Lara Croft, c'est Sony depuis le début, est-ce qu'il va vraiment virer de bord? Comme Call of Duty a viré de bord? Qui sait? En tout cas, le changement de cap de cette chère Lara brise des cœurs, mais cela n'est pas voué à durer. Du moins, je le pense. D'ailleurs, petit aparté sur Lara Croft, pour moi, l'attrait, ça n'a jamais été son physique. Tu vois, c'est ça. Bien qu'elle soit très jolie, c'est le fait que c'est une des nanas les plus aventureuses et les plus courageuses qui a été créée dans le monde du jeu vidéo. Et ça, En tout cas, tel Hitman, c'est un de ces multiples exemples où le personnage fait le jeu. C'est-à-dire que tu suis les aventures parce que t'as le personnage. Et pour rester sur la belle archéologue, il y a Lara Croft Go, qui au design minimaliste sur tablette, c'est également présenté tel Hitman Go dans le passé. Design sympa, mais trop de Lara, tu l'auras, évidemment, donc comme pour tout. Ah, rien à dire de plus sur ce sujet. Et même chose pour Kingdom Hearts Unchained. C'est-à-dire, c'est ce genre de produits dérivés qui me laisse dubitatif. Pourquoi se disperser? Certes, ça fait plus de profits, de bénéfices, mais... Vaut mieux se concentrer, vous êtes pas d'accord? Vaut mieux se concentrer sur un même titre et le faire arriver plus vite, du coup. Concentrer les effectifs, tu vois. Quoi qu'il en soit, le plat de résistance, c'était évidemment Kingdom Hearts 3. Il est attendu, date toujours inconnue, c'est Square Enix, on s'en doute. Et c'est ça le gros problème de Square Enix, c'est sa spécialité. On annonce trop tôt, on développe trop tard, et on attend ad vitam aeternam. Bon, après, quand ça arrive, on est certes pas déçu, mais le soufflet, il descend. Et Disney, lui, paradoxalement, est dans la spontanéité. C'est pour ça que cette licence m'a toujours... Voilà, je reconnais qu'elle est fantastique, mais cette espèce de mariage arrangé m'a toujours paru bizarre. En tout cas, est-ce que ici, le Kingdom Hearts 3, la magie opérera après des multiples produits dérivés sur la série et jeux entre deux qui ont été, soi-disant, excellents? Eh bien, on peut se poser la question sur la légitimité de ce troisième opus. Le gameplay, en tout cas, a l'air sulfureux, mais rien de plus à se mettre sous la dent pour l'instant. On nous a parlé de réponse, mais on ne l'a pas encore vue, elle. Concrètement, on voulait une date, eh bien, on patientera dans nos cœurs, dont Square Enix a la clé. Voilà, c'est fini pour cette émission 2015 de l'E3 Los Angeles. Et c'était, waouh, beaucoup d'émotions, beaucoup d'annonces qui étaient surtout attendues. Maintenant, qu'est-ce qui manquait, selon vous, trop fidèle, à cette E3? Pour moi, pas grand-chose. Les promesses ont été données, il y avait beaucoup de choses positives, mais imaginez la cerise sur le gâteau, Beyond Good and Evil 2. Waouh, là, ça aurait été le clou dans le cercueil. Silent Hill 1, le remake.
Konami aurait fait un grand coup là aussi. Là où il vient de perdre Silent Hill Pity, ça aurait pu être énorme. Je serais eux, j'aurais fait ce coup-là. La timidité du dernier jeu de Frictional Games aussi, le projet Soma, on l'attend, mais il manque clairement de commercialisation en termes de marketing, ça manque de présence. On aurait aussi voulu de la nouveauté, de l'indé mis en avant comme un blockbuster, mais l'argent est roi et ne soyons pas trop cupides, on a eu Cuphead, Unravel, des titres indépendants qui étaient très très originaux et mis quand même sur le devant de la scène. J'en aurais aimé certes un peu plus, mais il en faut pour tous les goûts. Et globalement, je pense que cette E3 a été réellement réussie. 2015, le signe de la réussite, le signe du renouveau, le signe de la suite et enfin le signe des promesses tenues. Clameur, jouissance, on a été gâtés comme des enfants et les nouvelles licences sont timides mais assumées. Il y en a même assez couillu comme Horizon sur l'exclu PS4 qui elle montrait un gameplay assez poussé, donc voilà. Le souci c'est la facilité aujourd'hui de créer des titres méli-mélo, ça rend la distinction un peu trouble avec l'originalité réellement parce que il y a tellement d'inspiration que tu sais plus dire d'où vient quoi, quel titre est réellement original ou non. T'as l'impression toujours peut-être que c'est aussi l'esprit humain de faire la comparaison avec tel titre. C'est bien dommage, c'est peut-être même une habitude néfaste qu'ont les pigistes dans leurs analyses à comparer. Et même si ça a parfois un but humoristique ou un but littéraire, c'est devenu un handicap pour moi. Enfin, comparé à d'autres années, cette E3 fut historique à bien des niveaux et c'est mémorable, à n'en pas douter. Le point final que j'ai à dire, que je vous l'ai promis, sur la guerre des consoles, déjà j'en ai toujours rien à foutre, ça n'a pas changé, mais petite aparté, puisque ça va faire grincer des dents sinon, je trouve que Sony a gagné la conférence, certes, mais sur le long terme, là où Microsoft a gagné la conférence sur le court terme. Ce qui manque clairement à la PlayStation 4, c'est des titres, là maintenant, et pas juste des remasters, ça commence à bien faire. On est content, mais on veut des vrais titres. Et là, Microsoft, au niveau timing, a bien géré son coup puisqu'il va proposer du Halo 5 avant, du Rise of the Tomb Raider avant, et c'est quand même des exclus qui vont faire la différence en ce fin d'année. Donc pour moi, Microsoft, en plus d'avoir fait une très bonne conférence, redomine la PS4, pas au niveau des chiffres parce que PS4 au-dessus et au-dessus Nintendo 3DS, mais voilà, c'est quand même du très bon, et je tiens à féliciter, même si on n'a rien à foutre, les éditeurs. Et vous, très fidèles, si vous avez eu l'occasion de suivre cette E3, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez été aussi agréablement surpris que moi et parfois blasé de certains éditeurs un peu mous? Ou est-ce que vous avez été dans l'épiphanie totale? Est-ce que vous avez réussi à prendre du recul à présent? Si vous n'avez pas su suivre toutes les informations sur l'E3, est-ce que cette émission vous aura servi et est-ce que vous avez apprécié son format? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager votre avis avec moi, à faire de grandes dissertations sur tout ce que j'ai dit et votre propre opinion. Je sais que j'ai pas beaucoup regardé la caméra, mais je veux dire, elle est placée vraiment bizarrement et j'ai l'impression de loucher quand je la regarde. Genre. Donc, excusez-moi pour ça. Quoi qu'il en soit, je vous dis à dans un an pour la prochaine émission sur l'E3 2016. J'espère que vous serez au rendez-vous avec moi et que je serai toujours aussi... Voilà, et peut-être que si cette formule marche réellement, je couvrirai aussi d'autres événements du genre Tokyo Game Show et ce genre de choses. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre en favori, à partager la vidéo avec votre entourage, et si vous ne l'êtes pas encore, devenez un très fidèle. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre émission. Bisous.